la librairie des deux cités. Ben, merci beaucoup. Ça va tout de suite parler. Ah oui, allez. Saint-Augustin, évidemment. Vous êtes l'un des rares à avoir compris tout de suite la référence. En tout cas, bienvenue à vous, Paul-Marie. Merci encore et je vous laisse la parole. Suis plutôt thomiste qu'augustinien, mais enfin quand même. J'ai dit Saint Thomas parce que Saint Thomas, c'est l'anniversaire de Saint Thomas aujourd'hui. Donc c'est amusant de le citer à propos d'Augustin et des deux cités. Deux cités, c'était, ça a tout de suite été une saga pour moi, parce que vous ne l'avez pas su, Sylvain, j'avais tout de même assez suivi de près vos premiers pas, un peu dramatique, il faut le dire, les vitrines cassées, Ouais. votre opiniâtreté, votre ténacité, et le fait que vous soyez signalé sur plusieurs sites, et que, par exemple, L'Incorrect, une revue, un magazine plutôt, avec lequel nous entretenons bien entendu les meilleures relations, vous donnez la parole de temps en temps, et vous n'avez toujours pas écrit dans Le Nouveau Conservateur. Je m'étais dit, il faut d'abord que Sylvain écrive dans Le Nouveau Conservateur, avant que je vienne, et puis finalement j'ai un peu tardé, vous n'avez toujours pas écrit, mais vous allez le faire. Et quand vous m'avez proposé de venir, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, accompagné de la secrétaire générale, trésorière, entre autres multiples fonctions, Huguette Liverdeau qui est ici, et qui tient les cordons de la bourse, si je puis dire, ce qui n'est pas une seconde, c'est pas une mince affaire. Voilà. Et pour parler de quoi, j'ai dit à Sylvain, je crois que c'était au fil d'une conversation, que je voudrais vous parler de morale, pour deux ou trois raisons. La première, c'est que justement, la presque mythique ou presque légendaire librairie des deux cités se signale par une ténacité morale, une hauteur morale et oui, une moralité. J'ose pas utiliser le mot, tellement ce mot fait peur à tout le monde à cause des dépréciations et des déconstructions modernes. Remarquable, je me suis dit comme un jeune homme, comment se fait-il que il n'est pas laissé tomber, il se fixe sur l'objectif fixé au départ avec Alexis que j'ai connu récemment parce qu'il est membre comme moi d'ailleurs du Parti chrétien-démocrate, on dit encore Parti chrétien-démocrate mais qu'il était assez fâcheusement, à mon avis, rebaptisé Via. Donc finalement, je finissais par connaître à peu près toute l'équipe. Bonjour. Et je disais à Sylvain, vous êtes un exemple de moralité, presque de sacerdoce. Et c'est la seconde raison pour laquelle je voulais vous parler un peu de morale, et puis ensuite on va bavarder, nous ne sommes pas si nombreux que nous ne puissions pas en changer aisément. J'ai beaucoup changé d'avis sur la question de la morale. Voilà. Lorsque j'étais étudiant, je n'ai pas toujours été gaulliste ou je n'ai pas toujours été à droite. Je pensais bêtement ce que tout le monde pense, que la morale c'est la morale, la politique c'est la politique et que ça marchait comme ça sur deux voies parallèles qui ne se rencontraient jamais. Et on pourrait même théoriser ça, c'est-à-dire que, au fond, c'est vrai, il y a une logique politique qui n'a pas grand-chose à voir avec la morale. Pouvait-on penser, et pensais-je à l'époque, c'est d'ailleurs selon la conception qui, hélas, hélas, trois fois hélas, à court de la politique, qui est très inspirée par une morale, c'est-à-dire une anti-morale machiavélienne en réalité. Toute une génération, et aujourd'hui encore, pense que la politique, c'est l'art de la roublardise. Ça consiste à mettre le voisin, qui est nécessairement pas un voisin, mais un concurrent, voire un adversaire, KO pour pouvoir prendre sa place, quoi. Et si vous regardez bien, ça fait beaucoup de dégâts, cette conception machiavélienne de la politique, parce que pour tout un chacun, c'est ça la politique. C'est pas du tout ce que ça doit être, c'est-à-dire le service de la cité terrestre, en vue de la cité céleste, ou tout simplement le service du bien commun, pensé justement par saint Thomas d'Aquin, les deux pères se retrouvent,
père, les deux philosophies se retrouvent. Mais l'art est la manière de marcher sur tout le monde, quoi. Et il y a des gens qui ont... Il y a des grandes figures de notre histoire récente, ou plus ancienne, bien sûr, qui ont beaucoup trop bien illustré de façon trop séduisante la conception machiavélienne de la politique. Alors, le plus emblématique, pour ma génération en tous les cas, c'était Mitterrand. Mitterrand a plu aux Français d'une certaine façon parce qu'il se disait, celui-là, c'est un roublard, il est fort. Quand on le voyait paraître à la télé, on se disait, on ne sait pas très bien ce qu'il pense, mais il met tout le monde dans sa poche. Et il y avait de l'admiration populaire pour le personnage. Comme si vraiment on avait perdu la vieille conception du service politique, du sacerdoce politique. J'utilise le mot sacerdoce à dessein parce que je pense que ça m'est venu à l'esprit quand j'ai vu la saga des deux cités. Il y a un sacerdoce, il ne laisse pas tomber. Je pense que Sylvain, avec qui je viens de déjeuner, et Anselme, avec qui je viens de déjeuner aussi, et à peu près vous tous, avait cette vieille conception du bien commun et du service que l'on doit au bien commun, sinon vous ne seriez pas là par un samedi un peu frisqué du mois de janvier pour venir écouter un quidam vous parler de ces sujets de préoccupation. Finalement, il faut, contrairement à ce que je pensais quand j'étais jeune, donc lier au contraire la morale et la politique. C'est la troisième raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet. J'ai pas mal pérégriné dans des cabinets ministériels. Le premier cabinet ministériel, ça remonte à plus de 40 ans, parce que j'étais encore élève de l'ENA, mais en clandestin. D'ailleurs, c'était pas bien parce que je trompais les règles de mon corps. J'étais au cabinet de Michel Jobert. Ça ne doit pas dire grand-chose à tout le monde, mais enfin, peut-être que les moins jeunes se souviennent de Michel Jobert, 81, 82, 83. On était dans les pattes de Mitterrand, d'ailleurs, déjà. Et j'ai petit à petit, pas vite du tout, compris que si les choses allaient très mal pour la France, c'est pas parce que la France manquait d'atouts, c'est pas parce que les Français sont soi-disant paresseux ou je sais pas quoi. Ils ont montré dans leur histoire qu'ils ne le sont pas. C'est parce qu'ils étaient très mal gouvernés. La France est un pays très très mal gouverné depuis 50 ans. Je sais pas de quel côté je mets Pompidou. Par moment je le rachète, par moment je l'accable. Mais le gaulliste un peu fanatique que je suis, penserait plutôt qu'à partir de 69, la classe politique n'a plus servi, mais elle a desservi le pays. Pompidou moins que les autres. Giscard a été terrible. Giscard, c'est le grand ancêtre de Macron. Giscard a dit, nous avons publié dans un numéro, je crois que c'était le 3 ou 4, à l'occasion de la mort de Giscard, je connaissais Michel Pinton, autre nom qui ne doit pas vous dire grand-chose, qui était qui était le fondateur de l'UDF, et qui a été giscardien après avoir changé d'avis, et qui raconte dans l'entretien que j'ai fait avec lui, que Giscard lui dit, voyez-vous, ce que nous avons à faire, c'est normaliser la France. Ça suffit de ce vieux discours, il visait De Gaulle bien sûr, sur l'exception française, sur la mission de la France dans le monde, les Français veulent vivre... comme des Suédois, il dit exactement cette phrase, les Français veulent vivre comme des Suédois, c'est-à-dire sans se préoccuper de l'univers, ni même de leur pays, mais de leur pouvoir d'achat, ils veulent la voiture et le frigo, comme disait le général, il faut dire à un moment il a sorti quelque chose comme ça, mais enfin De Gaulle y ajoutait quelque chose, pour Giscard c'était l'alpha et l'oméga, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a vu croître la courbe des prélèvements, tout libéral, si ce mot veut dire quelque chose, rassurez-vous, ce mot libéral ne veut rien dire. Donc on peut l'utiliser à dessein si on ne veut rien dire, mais si on veut parler correctement, il vaut mieux faire l'économie du mot. Qu'a commencé la croissance des prélèvements obligatoires et de ce qui est devenu l'assistanat généralisé. Tout ça parce que c'est venu de la tête, pour que les Français aient plaisir à vivre, étant entendu que plaisir à vivre, c'était consommer.
Mitterrand, ça a été pire. Et tutti quanti, je ne vais pas faire la suite, mais même s'ils ont bien pensé, moi j'ai rencontré Chirac deux ou trois fois, j'étais membre du RPR, on était comme père et compagnon, c'est-à-dire on pensait que sur la France, ils pensaient à peu près la même chose que moi, mais ils faisaient tout l'inverse. D'ailleurs, ça s'est vu au fil de deux septennats, enfin d'un septennat et d'un quinquennat dramatique, plus dramatique encore celui de Nicolas Sarkozy. J'ai vraiment détesté, etc., etc. La France est mal gouvernée parce que justement, et ça, je répète, je radote, mais j'ai été long avant de le comprendre parce que la classe politique ne se vouait pas au pays, à l'état du pays, à la mission du pays dans le monde, à ce que la nation française peut représenter, assez exceptionnel quand même. Et ça perdure dans le monde, sa langue, ses principes, sa manière d'être et de vivre, qui échappe un peu à l'emballement du tout religieux, par exemple musulman, et du tout fric à l'américaine. Le tout fric étant d'ailleurs encore plus dangereux, de toute façon, enfin, on est pris en tenaille entre ces deux folies. Mais la France est dans le monde quelque chose qui échappe à cette dialectique qui a pris possession du monde et qu'il mène non seulement la France, mais le monde entier et l'humanité dans une sorte d'involution, c'est-à-dire de recul permanent, et de recul permanent d'abord des valeurs morales. J'étais très étonné de penser finalement le contraire de ce que je m'étais mis en tête, et partout, j'ai fait des cabinets ministériels, j'étais au cabinet de Philippe Séguin, j'étais au cabinet de Jean-Pierre Chevènement, j'ai servi Charles Pasqua, j'ai été au cabinet de Boutros-Ghali à l'ONU, ça c'est un passage intéressant de ma vie, mais que les Français ne voient pas ce que j'ai pu faire. Pourtant, si j'ai servi le pays, c'était bien à New York, quand j'ai fait les discours du secrétaire général de l'ONU, parce que j'en ai mis une sacrée plâtrée, avec la complicité de Boutros d'ailleurs, qui du coup n'a pas été réélu, mais enfin bon, il m'a dit que c'était à cause de moi. Je lui ai dit, mais non, c'est grâce à moi que vous n'avez pas été réélu, il était tout à fait charmant, on avait sorti de belle. Mais presque partout, écoutez, il n'y a pas vraiment d'exception. Peut-être après Charles Pasqua, j'ai servi Philippe de Villiers. Aujourd'hui, je suis auprès de Jean-Frédéric Poisson. Ce faisant, je suis devenu, au fil du temps, l'ami d'Éric Zemmour, que j'ai rencontré en 93, quand je venais d'entrer au cabinet de Séguin. Il m'avait dit, un ami commun nous avait mis en relation, Éric et moi, parce qu'Éric voulait rencontrer Séguin. Séguin, ça lui disait quelque chose, il voulait absolument le connaître. Il avait fait une demande de rejeter, parce que Séguin avait son caractère. Et comme on disait à table, il prenait son mauvais caractère pour du caractère. Bref, il ne rencontrait pas facilement les gens, et j'avais intercédé pour qu'Éric rencontre Séguin. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, et puis une amitié est née entre eux, et puis une amitié est née aussi entre Éric et moi. Bref. J'ai servi pas mal de gens, je ne renie personne, mais, alors mettons de côté, parce qu'il est plus douloureux la question d'Éric Zemmour, enfin on en parle si vous voulez, mais chaque fois j'ai été désolé qu'ils ne servent pas leur pays, faute d'un engagement moral, j'allais dire spirituel même. Parce que pour servir un pays, il faut se donner à la vie, à la mort. Et donc l'engagement, il devient au moins aussi spirituel qu'intellectuel. Il faut aller au-delà de la compréhension du monde, c'est important. Il faut commencer. Mais il faut aussi donner sa peau, quoi. Être capable, on le disait aussi à table, d'une ascèse, de la simplicité, de la modestie, une certaine pauvreté à la Louis XI. Il faut être capable de respecter ce qui s'appelait au Moyen-Âge le miroir des princes. Vous savez, le miroir des princes, c'était une œuvre collective qui a parcouru le Moyen-Âge et qui décrivait les qualités des princes, enfin qui énumérait les vertus propres aux princes. Et il y a des ouvrages là-dessus qui sont aujourd'hui, quand on les relit, Daniel Amiche en a publié plusieurs, je dis ce nom parce que c'était un grand libraire
à Paris, mais il est mort, hélas. J'ai compris le rôle énorme que pouvait avoir un libraire, parce que sur moi il a été énorme. J'allais dans cette librairie qui était une inspiration un peu monarchiste sur les bords, ça ne doit pas choquer grand monde, j'espère. Mais c'était une éducation à la politique qui passait par la morale. Mais la morale des gouvernants. Évidemment, j'ai pas cessé de voir l'écart entre la tradition française de l'application et même de la dévotion ou du dévouement, du don de soi à l'action politique, à la nation, au bien commun de la nation, et ce que je voyais dans la vie quotidienne. J'ai été député pendant 10 ans, je vous promets que ça m'avait finalement amusé, mais c'est désolant. Quand des députés. Au Parlement européen, c'est un faux Parlement, on ne débat pas parce qu'il y a tellement de langues que de toute façon, on n'est pas capable de se répondre les uns aux autres. Il faut attendre la traduction, et on répond le lendemain. Enfin bon, c'est tout sauf un Parlement. Mais quand on se voyait, c'était bien entendu à table, ou alors dans les voitures qui nous raccompagnaient au Thalys, à la gare de Strasbourg ou de Bruxelles. Enfin, Thalys, c'était Bruxelles. Ou dans le train quand on parlait entre soi. Mais on ne parlait jamais, c'était presque une coquetterie, de questions politiques. On était député français, il y avait quand même des enjeux pour les Français, dans cette espèce de salmigondis de législation européenne. Vous voyez qu'on parlait des sujets qu'on allait débattre la semaine suivante ou sur lesquels on avait voté quelques heures plus tôt, pas du tout. Le sujet, c'est alors tu as passé ton week-end où? Ou alors tu as vu le dernier match, j'ai pas réussi à le voir, il faut que je l'enregistre parce qu'il paraît qu'à tel moment, il y a un but de je sais pas quoi. Ou alors j'ai passé un Noël formidable, je sais pas où, à Phuket, tu devrais aller à Phuket, je peux te donner des adresses de Phuket. Moi, c'est pas moi qui disais ça, mais enfin, comme si c'était les préoccupations, qui sont des préoccupations de jouissance, ou ludiques, ou frivoles. Normal d'un homme ou d'une femme politique. Et vraiment, je me suis dit, comment se fait-il que personne ne voit le lien entre l'espèce de déréliction dans laquelle sombre année après année le pays, parce que si un pays qui est mal gouverné, c'est le nôtre, et qui s'en sort mal dans dans le déroulé historique, c'est bien la France qui vit sur ses réserves et qui décline au point qu'une partie notable et croissante de son peuple ne mange pas à sa faim, j'en témoigne. Jusqu'en octobre dernier, je vivais dans un village de 342 personnes en Charente. Je savais très bien, j'en parlais au maire, on se débrouillait, on faisait ce qu'on pouvait, que plusieurs familles, on les repérait du village, ne mangeaient pas à leur faim, un repas par jour. Et quand il y avait des vacances, ben, il fallait nourrir les enfants et c'était juste. Parce qu'ils n'allaient pas à la cantine. Bon, je dis ça en riant, je ne sais pas pourquoi je ris. La situation d'un nombre croissant de Français est très dramatique. Très dramatique. Enfin, dramatique selon les canons de l'époque. Pendant longtemps, on a vécu sans manger grand-chose, mais aujourd'hui, le contraste est stupéfiant. Une petite anecdote, d'ailleurs, et je crois que la politique doit justement entrer dans une morale qui doit la priver, bon, pas de se nourrir correctement, mais du luxe, de la dépense, du fric. Les hommes politiques sont beaucoup trop riches. Les hommes politiques sont beaucoup trop riches. Bonjour messieurs, mais c'est très masculin notre conversation là. Vous êtes là, et vous êtes. Ça tombe bien, les dames sont assises. Hein. Il y a une logique. Non, mais bonsoir. Bonjour. Je disais qu'à mon avis, je parle de morale, qu'à mon avis, il y a trop d'argent dans la politique et que les hommes politiques doivent apprendre à vivre chichement, comme Louis XI ou comme d'autres l'ont fait. Ça a l'air tout à fait anodin, mais. Le contraste entre. C'est pas si anodin que ça. Par exemple, j'ai tiré les oreilles d'Éric quand il a choisi d'Éric Zemmour, quand il a choisi son siège rue Jean Goujon, au milieu du quartier du fric, le plus fric à côté de l'avenue Montaigne et
dans le cœur du 8e arrondissement, qui est l'arrondissement du fric, à Paris, qui est la ville du fric, qui est devenue, hélas, la ville du fric. Il y a une assaise à retrouver que je n'ai trouvée nulle part dans le milieu politique, mais vraiment nulle part, même auprès de ceux que j'ai servi, et je n'ai pas servi les pires. Ça va de soi qu'on vit dans le luxe. Et ça va de soi que s'intéresser à la question du bien commun, au sort de son pays, au rang de son pays dans le monde et conséquemment aux conditions de vie qui en sont vraiment la conséquence de nos contemporains, ce sont deux mondes. Et plus personne, vraiment, y compris parmi ceux que j'ai servi, ne se consacre corps et âme jusqu'à donner sa peau, c'est ce que je disais, à ce pourquoi il est fait, quand bien même veut-il, alors ça c'est encore le pire, c'est le thème du livre que je suis en train d'écrire, quand bien même veut-il sauver le pays. J'avais sorti cette diatribe à Marine Le Pen un jour, en disant, parce qu'on allait dans un restaurant un peu chic, je dis à Marine, mais non, il faut aller dans des restaurants pas chics, justement. Sylvain voit à quoi je pense. Elle m'avait regardé avec des yeux ronds, ben, pour le marier, ça peut faire. À la Marine Le Pen. Mais ils sont tous comme ça en réalité. Et quand j'ai regardé, quand j'ai suivi en souffrant beaucoup la campagne d'Éric Zemmour et de Sarah Knafo, je pensais bien que ça finirait pas très bien, je l'ai dit. Je m'étonne que notre amitié, Éric et moi, ait survécu à ces années souffrantes. Pardon, Anselme, je vais vous dire ça. Parce que j'ai pas cessé de l'engueuler, en réalité. Sur ce thème, en partie sur ce thème-là, pas simplement. Vous savez, c'est d'autant plus choquant qu'en regard, j'ai vu... Alors, je suis content de le dire à la librairie des deux cités, parce que c'est un bon exemple. J'ai vu des gens qui donnaient leur trip, beaucoup plus modestement, des militants qui savent très bien qu'ils pourraient gagner de l'argent, n'en rien foutre, regarder la télé, mais qui préfèrent militer tard le soir, tôt le matin, donner de l'argent. J'ai connu des gens rasés par des hommes politiques, alors c'est pas un de ceux que j'ai cités, mais un autre personnage qui a failli venir ici un jour, je ne citerai pas. Qui a pas ruiné, mais qui a demandé pour ses différentes campagnes européennes, pas européennes, etc., etc., un argent considérable que les gens n'ont jamais revu et qui leur manque. Donc, au regard, j'ai vu quand même cette trace, si on peut prononcer ce mot, incroyable, mais c'est une race, pas incroyable, mais qui aujourd'hui devient hors norme, de gens qui... donner beaucoup d'eux-mêmes, pas simplement de l'argent, du temps, de l'énergie, le militant, quoi, à quelque chose qui le dépasse. Pourquoi ? Parce que justement, ce milieu militant a des valeurs qui ne sont pas des valeurs matérialistes. Et il y a beaucoup de militants, hein. Il n'y a pas que des militants politiques, il y a des militants... Geneviève de Gaulle m'avait expliqué ça, elle m'avait dit ça d'un trait... Elle avait créé ATD Quart-Monde, vous savez, la nièce du général de Gaulle. Je l'ai bien connu à l'Institut Charles de Gaulle, je lui dis, vous au moins, malgré le nom que vous portez, vous ne vous laissez pas bercer dans la rente de situation. Elle m'a répondu cette chose qui m'a fait comprendre beaucoup de choses et qui est toute l'honneur du militant. Oui, mais moi, je voudrais accrocher ma vie à quelque chose qui me dépasse. Alors je lui dis, vous êtes comme votre oncle. Oui, bien entendu, c'est le... La transcendance. Et finalement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, cher monsieur, que la question n'était pas intellectuelle, ni même morale, mais qu'elle était au-dessus. Elle était spirituelle. Non, non, mais ce n'était pas une pique. Vous avez raison. La question, c'est spirituel, c'est d'ordre transcendant. Qu'est-ce que je fais sur Terre, au fond ? Est-ce que je suis capable de donner quelque chose, pour une cause, pour une foi, pour une aventure, pour une histoire qui me dépasse de beaucoup, qui... et qui finalement finira par m'ennoblir. Cette noblesse-là du service, du don, du sacerdoce, je le disais à propos d'Alexis et
Sylvain est des deux cités, ils pourraient l'un et l'autre gagner beaucoup plus d'argent en faisant une librairie, hein, ça c'est sûr. Mais il y a une espèce de sacerdoce qui permet de se dire, j'ai quand même servi à autre chose qu'à moi. Et comme nous sommes tous confrontés à la mort, quand même, c'est une fameuse consolation. Parce que c'est peut-être une des meilleures façons que nous avons de combattre notre infini, et Dieu sait qu'elle est infinie, finitude, si l'on peut dire. La pauvreté de toute vie, si elle se raccroche à quelque chose qui le dépasse, eh bien, qui la dépasse, eh bien, elle s'en oublie, elle s'enrichit, et c'est cette richesse-là que trouve le militant et que l'on aimerait trouver chez le dirigeant politique et que je n'ai trouvé chez personne. Alors vraiment personne. De temps en temps, je me dis quand j'écris ce livre que je devrais être plus clément avec un tel ou tel, Philippe de Villiers, là. Très certainement une conception un peu transcendante de son rôle, déjà pas mal. Mais au fond, tous ceux qui ont prétendu relever le drapeau national, qui est à terre tout simplement parce que c'est très étonnant, la France est la fille aînée de l'Église, mais la classe politique française est certainement la plus démoralisée au sens dépourvue de morale de toute la terre. Parce que vous savez, j'ai vu ça et à l'ONU. Quand j'étais auprès de Boutros Ghali à New York et encore plus à Bruxelles ou Strasbourg, les classes politiques des pays, la plupart des pays, elles servent leur pays. Hein. Moi, j'ai vu, y compris au sein de l'Europe, qui en principe n'est pas fait pour ça, les Allemands défendent l'Allemagne mordicus, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand je dis mordicus, ça mord sec. Les Espagnols défendre l'Espagne, et notamment les fonds européens. L'Italie, pareil. L'Angleterre, ils ont chevillé au corps la conscience d'être supérieur à tous les autres, et donc de voir rôle Britannia, et pareil pour les Américains, National Interest, c'est dans les tripes une fois pour toutes. Et pareil pour beaucoup de pays, sauf les pauvres pays sous-développés qui ont à leur tête, comme en France, des gens qui se foutent de leur sort, quoi, en fait. Qu'arrive-t-il à ce pays pour subir une classe politique non seulement médiocre, mais nocive, y compris quand cette petite part de la classe politique qui prétend se faire une idée de la France, mais qui ne la sert pas, ou qui se sert d'une certaine idée. Alors il y a encore pire, il y a encore ceux qui se servent d'une certaine idée de la France en l'affichant jusqu'à plus soif, et qui en réalité traduisent ça en siège parlementaire, alors en Europe, au Sénat, à l'Assemblée nationale, ou alors en prébende régionale, au conseil régional, ici ou là. Même notre camp. Je ne sais pas si on peut parler de camp, mais allons-y. Même les nationaux, si vous voulez, sont très coupables. Très coupables. Le livre que j'écris est une succession de lettres, il y en a cinq, dans lesquelles j'engueule les chefs de la prétendue droite. Je commence par Mme Pécresse, ensuite je commence par les dames, ensuite je m'attaque à Marine Le Pen. Là, j'ai peur de faire une lettre un peu longue, enfin, être un peu salée. Après. Je m'en prends à Éric Zemmour, très amicalement, cordialement, mais sévèrement, etc., etc. Après Dupont-Aignan, cette fois je le nomme. Bref, pour moi, tout à coup, la question morale est devenue presque obsédante. Je la vois partout maintenant, après l'avoir vue nulle part. Et mon espoir, c'est justement que la France retrouve une cohorte suffisante. Alors, Reconquête est finalement, c'est un bon jalon sur ce chemin, je crois. De gens qui se vouent au pays, qui sont capables de foutre leur trip sur la table, dont on se dit que peut-être si la France était très menacée, ils mettraient leur vie en jeu pour la servir. C'est là où la question redevient spirituelle, évidemment, parce que la question de la mort, elle pose immédiatement la question spirituelle. Bref, mon espoir, c'est de retrouver un jour. Que de Gaulle dit à Malraux dans Les chaînes qu'on abat, puissions-nous revoir un jour une jeunesse française, à la fois une jeunesse de la France, c'est-à-dire une nouvelle vigueur de la France, et une jeunesse qui serve la France. Comme dit Malraux, j'appelle français ceux qui ne veulent pas que la France meure. Et cette cohorte, cette escouade,
elle ne se fera que en ensemençant de nouveau le terrain moral. Alors évidemment, en principe, c'est ce qui a beaucoup servi nos rois et ceux qui ont servi la France. Le terrain religieux est fait pour ça. La religion chrétienne ou catholique est une religion du don par excellence et du don au bien commun. C'est-à-dire quelque chose qui dépasse mais qui doit être instruit et doit être servi jour après jour de façon très très opiniâtre, en se fermant les yeux dès que passe une tentation. Je peux vous dire qu'ils ne le font pas. Il y a eu un épisode presque amusant, amusant parce qu'il a été monté en neige pour des raisons qui ne sont pas si évidentes que ça. C'est les prévarications et les pots de vin qui ont éclaboussé le Parlement européen, je crois que c'était au mois de décembre ou au mois de novembre, qui ont été très montés en neige parce que c'est une grande opération allemande, à mon avis, contre l'Europe du Sud. Hein. Vous avez remarqué quand même que les incriminés sont des Grecs, des Italiens, des Espagnols. L'Allemagne qui mène le bal n'aime pas les pays du Sud. Et il faut absolument les diminuer. Il se trouve d'ailleurs que la présidente de du Parlement était maltaise, la vice-présidente, celle qu'on a incriminée, était grecque, les Italiens avaient la présidence de plusieurs commissions. Tout à coup, l'Allemagne s'est dit, bon, alors on a lâché quelques scandales contre eux, mais c'est totalement général. C'est général, et même on en parlait entre nous. Et même moi, on m'avait proposé d'aller, de me donner 10 000 euros, c'était en 2006 ou 2007, je sais plus, simplement pour prendre mon avion, enfin pour prendre l'avion, je n'avais pas à payer bien sûr, et poser devant Gbagbo, parce que Gbagbo était très soutenu par les francs-maçons et la gauche, il fallait qu'un rigolo de droite, que j'étais supposé être, montre que Gbagbo était aussi soutenu par la droite, donc avoir une photo d'une petite figure de la droite, serrant la paluche de Gbagbo, et pof, 10 000 balles, voilà comment ça marche. Mais quand j'ai raconté cette histoire à des collègues, évidemment, on ne la raconte pas à des ennemis, on les raconte aux gens de son groupe. Figure-toi qu'on m'a proposé ceci. Uniformément, mais t'es bien bête de ne pas avoir accepté. Je vous jure, je ne mens pas. Et des histoires comme ça, j'en ai partout. Et je peux dénoncer des collègues souverainistes, gaullistes, tout ce qui ont trempé dans ce genre de magouille. À la fois la politique, pourquoi? C'est la France, c'est De Gaulle, c'est la souveraineté nationale ou c'est le PES? C'est pas compatible. Parce que vous voyez bien qu'à ce moment-là, on détruit quelque chose qui est irremplaçable. C'est tout simplement le souci de la vérité et du service. Le mot service est très important. Je crois que l'idée pré-machiavélienne, justement, du service doit être le fil rouge de tout engagement politique. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est une assise à laquelle, puisque les hommes politiques ne se plient pas, il faut que nous nous plions, nous, pour réinjecter de la morale dans cette nébuleuse politique qui en manque complètement, avec pour conséquence que le pays n'est plus servi. Voilà. Et que les autres font leur marché en France. L'Allemagne fait son marché en France sous couvert de couple franco-allemand qui fait rigoler le mot. Couple fait rigoler au-delà du Rhin, il n'y a jamais eu de couple franco-allemand dans la tête des Allemands. Mais la classe politique française est tellement indigne qu'elle a vu des avantages, soit à s'accrocher aux États-Unis, alors pour certains ça a été la Russie, soit à s'accrocher à l'Allemagne sous couvert d'Europe, en fait ça revenait un peu à s'accrocher aux États-Unis. On est arrivé à un point où la classe politique française, alors Macron est très symptomatique de ça, et nommé même des directeurs d'administration centrale, à l'éducation nationale y compris, on a publié un texte de Brigelli là-dessus, en fonction des bonnes relations que l'on peut avoir avec les États-Unis, parce qu'on a accepté un voyage ici, parce qu'on est young leaders, etc., etc. Pierre Hilar est intéressant sur le sujet, puisque je sais que Pierre Hilar m'a précédé ici, ça a été mon élève. Je ne sais pas si c'est moi qui lui ai mis ce genre de lubie dans la tête, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a compris. Et finalement, il faut tous les remplacer, quoi. Parce que je ne sais pas si on arrivera, le diable et le bon Dieu, à la Sarthe, je ne sais pas si les gens qui sont accoutumés
à la concussion, comme on disait autrefois, ou à l'argent facile, ou au poste, ou au siège automatique comme récompense de une bonne stratégie politique. Je ne sais pas si du jour au lendemain, ils peuvent repasser à la logique politique et la logique du service. Et finalement, voilà ce que je suis venu vous dire. Il faut aussi que le militant, et ça c'est très important, fasse effort sur lui-même pour comprendre ce qui se passe, pour s'informer, pour réfléchir, pour comprendre le monde, pour savoir où on en est. C'est d'ailleurs pourquoi, et ça aussi c'est du sacerdoce, hein, Huguette qui est avec moi depuis des années et des années, je sais qu'elle passe, je préfère ne pas savoir combien de dizaines d'heures par semaine pour faire un travail pour lequel elle n'est absolument pas rémunérée. Quelquefois, je l'enguirlande quand elle prend trop de taxis, je ne devrais pas quand même. Mais ça en est là. Si vous faites ce que vous faites, si on fait la revue de nos conservateurs sans recevoir un sou de personne, c'est parce qu'on est animé par autre chose qu'un souci matérialiste. Alors, il y a cette révolution, pour conclure, à faire, qui passe peut-être par l'information. C'est pour ça que j'ai toujours voulu lancer des revues, parce que je pense que par la tête, par la compréhension du monde, par le souci de la vérité qui nous rendra libres, comme disait Jean-Paul II, enfin c'est un des ressorts de la foi chrétienne, on pourra tout de même arriver à créer une génération ABCD XYZ, une génération de Français dévoués à la France. S'il n'y a pas ça, il n'y aura plus rien et la France deviendra un no man's land. Mais des gens comme Alexis et Sylvain prouvent qu'il y a toujours des grains, de bons grains dans la pâte. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.